tous, bienvenue sur ma chaîne Nourcook. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je vais préparer avec vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai partagé avec vous l'achat d'une plancha à Jiffy. Il y a à peu près, je pense, une semaine. Je vous donnerai le lien de la vidéo si vous voulez la revoir tout en haut à droite. En fait, je l'avais acheté, mais je n'ai pas partagé la cuisson avec vous, je l'ai déjà partagé. Mais j'ai pas eu le temps de filmer, donc là j'ai l'occasion de filmer avec vous. Donc là j'ai préparé les bat-bottes. Là j'ai pas filmé l'étape de pétrissage de la pâte parce que je l'ai déjà partagé avec vous dans mes vidéos. Je vous laisserai le lien de la vidéo tout en haut à droite si vous voulez aller voir la recette. Donc là c'est pour ça que j'ai pas pu préparer avec vous de A à Z la pâte. Donc là, je vais juste préparer avec vous les cuissons sur la plancha. Regardez, elle est grande. Elle fait 87 cm. Elle se trouve à Jiffy pour celle qui la veut. Voilà, en fait, c'est un thermostat juste de 0 jusqu'à 5. Et elle est très très rapide. Et en plus, elle est économe. Elle consomme pas beaucoup d'électricité. Elle a 1800 watts simplement. Donc là, c'est un réservoir pour récupérer la graisse si vous voulez faire cuire du poulet ou des poissons. Donc là, moi aujourd'hui, je vais juste faire cuire les bat-bottes. Vous allez voir, c'est très 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 rapide à faire. On gagne du temps, en plus pendant le ramadan. La cuisson normale sur une poêle au four, on est tout le temps en train de retourner les bat-bottes. On se brûle à chaque fois. Et là, franchement, regardez, elle est grande. C'est vraiment un gain de temps. Donc là, je vais les disposer. Comme ça, vous allez voir la cuisson avec moi. Voilà, j'ai réussi à mettre 5 dedans. C'est très rapide. Vraiment, c'est pratique. Et vous pouvez faire ça, vous pouvez cuire aussi les msemen dessus. Le harcha, les bat-bottes, les mini bat-bottes, les poulets, les poissons, les légumes. Vous pouvez vraiment tout faire dessus. C'est vraiment très pratique. Et ça va vite, hein. Très rapide, hein. En même pas 10 minutes, c'est cuit. L'avantage, c'est qu'on gagne vraiment du temps. Vous voyez, même pas 5 minutes, j'ai 5 bat-bottes presque cuits. Vous voyez, c'est bien coloré. Donc là, moi, j'ai réussi à mettre 5 parce que, en fait, ils sont pas petites, ils sont de taille moyenne. Mais si vous les faites vos plus petits, vous pouvez mettre largement plus, hein. Moi, la dernière fois, j'ai fait les mini bat-bottes dessus. J'ai réussi à mettre 24 dedans. 24 mini bat-bottes. Donc, je ne vous dis pas le temps qu'on peut gagner, hein. Donc, si vous êtes intéressé, allez à Jiffy. Je ne sais pas encore s'ils sont encore disponibles. Mais franchement, vous n'allez pas le regretter, hein, parce que c'est vraiment très pratique.
là c'est ma deuxième cuisson, donc la première j'ai réussi à mettre 5 et là il m'en reste 4, c'est la dernière, donc là vous voyez j'en ai fait 9, ça m'a pris même pas 10 minutes de cuisson, c'est rapide. Voilà, on arrive à la fin de cette petite astuce que j'ai partagée avec vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas de me laisser des petits commentaires si vous avez aimé ou pas la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.